J'en avais tout seul. Certains m'ont dit le numéro tout à l'heure. Donc là, moi j'ai 468. Donc ça, ça aurait pu être mon numéro de mineur. Je le pose, je récupère le matériel et je descends au fond de la mine. Si jamais il y a un problème, c'est très important le jeton. S'il y a encore, ça veut dire que je ne suis pas sortie de la mine. Donc on va venir me chercher si on peut. Et si jamais le jeton a disparu, ça veut dire que je suis remontée, que tout va bien. Donc il faut vraiment retenir ce petit système de sécurité, c'est vraiment très important pour les mineurs. Bon, on va commencer à regarder par ici, venez, approchez-vous. Okay. Oh, allez-y, allez-y. Par contre, moi j'ai une sympathie. Voilà, on écoute. Écoute. Vous allez nous apprendre des choses. Vous allez nous apprendre. Je pense que vous avez eu la chance d'éviter de descendre avec des cufas. Oui, non, non. Moi, vous avez descendu avec. Ça devait être impressionnant, je pense. Ça devait être impressionnant de descendre avec. Non, mais bon, ça fait partie des. Quand vous descendez sur le toit de la cage, là, vous voyez. Ah oui, aussi. Avec les câbles. Vous êtes sur le toit de la cage. Plus vous mettez de mineurs dans les couloirs ou les cages, plus vite vous allez travailler en bas. Donc, on en mettait le plus possible. Non, quand. Alors, le plus facile. C'est pas à l'intérieur, justement. On les mettait sur le rebord parce que vu que ça balançait un petit peu, les enfants, eux, ils allaient tenir avec leurs mains et leurs pieds pendant la descente. C'était quand même assez dangereux pour eux. Puis l'état de leurs mains après, oui, c'était pas très agréable. C'est ça. On en parlera plus en détail des enfants tout à l'heure. C'est pour ça que très vite, on est passé à la cage. Et là, à votre avis, combien on pouvait mettre des personnes dedans? 16. Non. Ça dépend, il y en avait. Plus. Nous, on était 16, il y en avait 16 dessous et 16 dessous. Il y en avait qui avaient deux étages. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Nous, on avait deux étages. Là, la moyenne, c'est 25 mineurs. Voilà, je pense que c'était plus de 30 à chaque fois. C'était une trentaine. Nous, c'était une trentaine. On était. Vous dites qu'il y en avait au-dessus. Ouais. On était 25 pour descendre. On était 25 pour descendre. On était plus de 30. On faisait les limites de sécurité. Ah, au-dessus. On montait dessus la cage avec une trompette. On avait un baudrier qui était attaché. Ah oui. Et on manœuvrait à la trompette. Donc, le gars d'en haut, avec le machiniste. Il était planqué, toi, il n'y avait pas fait. Nous, on a pris le charbon. Donc, bon, je vous rassure, nous, on ne va pas prendre une cage ni un cufa. On va prendre un ascenseur, donc moderne. Il va aller aussi à 10 mètres par seconde, par contre, donc c'est quand même assez rapide. Et on va descendre à peu près pendant 30 secondes. Ça fait, je ne sais pas combien, 2 mètres. À peu près 300 mètres de profondeur. Ouais. Donc on va y aller doucement. Alors, vous dites rien, là. Jamais, il y en a qui ne se sentent pas bien envoyés à l'ascenseur, vous pouvez me le dire. Et là, on trouvera un autre moyen de vous faire descendre dans la nuit. Avec une corde. Avec le cufa. Allez, venez. Allez, à la balle. Certains qui m'ont dit qui ont été apprentis dans cette école. Je sais plus lequel d'entre vous. Moi, c'est toujours le même. C'était vous. Vous aussi. Donc, on en a deux. Donc, si à un moment vous voulez parler dans la ligne de ce que vous avez appris, on sera content de connaître votre histoire. Donc, du coup, ça a été une mini-école de 1945 à 1968. Vers la fin de l'école, il y a un de nos enseignants, M. Aubaré, qui nous a ramené pas mal de machines. Donc c'est grâce à lui qu'on va voir. Voilà, c'est ça, c'est vraiment important de le citer, M. Aubaré. Donc c'est grâce à lui qu'on va avoir tout le matériel qu'on a au fond de la mine. Eh oui, il y a sa femme qui est venue la dernière fois aussi. M. Aubaré, moi je l'ai connu en plus, parce que je suis arrivé. Et après, j'ai les colonies, après, le comité d'entreprise, les colonies. Et en haut, on avait 200 000, pour faire le pâtissage à l'eau. Juste en haut? Oui. Là, on était manuel, et en haut, on était intellectuel. Donc, il faisait 15 jours dans la mine, et 15 jours à l'école. Et lui aussi. Lui aussi? 15 jours au centre. Voilà. Et un mois au fond de la mine. Voilà. Plus longtemps dans la mine qu'à l'école. Ah oui.
fallait rapporter de l'argent déjà. Bien sûr. Donc, vu que c'était une mini-école, on n'avait pas vraiment de cadre. Il y a des risques de s'effondrer.
pas eu à l'apprendre dans la mini-école. Heureusement, parce que c'était quand même un métier très dangereux. On appelait ça le pénitent. Déjà, quand on le voit, on comprend qu'il ne devait pas faire un métier très joyeux. Ou... donc, le pénitent, il venait dans la mine pour s'occuper du grisou. Tous les matins, il descendait avec son bout de bois qui était enflammé. Le grisou, c'est un gaz qui est léger, donc hop, il va être en haut de la galerie. À l'époque, on disait que le grisou était en couronne. Donc, il descend avec son bâton enflammé, il va brûler le grisou. À votre avis, pourquoi ça provoque pas un coup de grisou? Les teneurs. Oui, il n'y a pas assez de grisou dans l'air pour que ça explose. Donc, juste, ça va prendre feu. Pour que ça explose, c'est entre 6 et 9%. C'est ça. S'il y a plus que ça, il explose. C'est terminé. Ah oui, là, si jamais il met son bâton et que ça explose. C'est entre 6 et 9. Que l'explosion du grisou se passe. J'étais sauveteur, moi. Donc, le pénitent, il met le feu. Le grisou, des fois, il descend jusqu'ici. Donc, le pénitent, il doit se baisser pour éviter les flammes. C'est pour ça qu'il est habillé généralement tout en cuir. Et aussi, il était trempé. Arrosé. Voilà. Avant de descendre, on l'a arrosé pour éviter au maximum qu'il y ait des brûlures. Au moins comme ça, on essaie de le protéger. Mais vu que c'était dangereux, en 1820, on va arrêter le pénitent. Et on va le remplacer par la première lampe de sûreté. C'est la lampe Davy. Donc ça ressemble un petit peu à celle qui est sur l'image là-haut. Sauf qu'autour de la flamme, on avait un tamis. Et les mineurs disaient que si la flamme filait, donc elle s'étirait et qu'elle devenait bleue, ça signifiait qu'il y avait du grisou. Voilà. Donc là... C'est sûr, on ne va pas faire descendre les mineurs, on ne prend pas de risque. À votre avis, comment on va pouvoir évacuer le grisou? Alors, la flamme, 1 cm bleu en dessous là, c'était 1% de grisou. C'est pas vrai, ça. Et si elle s'étire, ça veut dire. Et puis, alors, si elle monte plus haut. Il ne faut pas qu'elle en monte plus haut, sinon elle brûle les tamis. Et c'est là que c'est dangereux. Oui, donc, à votre avis, comment on peut évacuer le grisou? Par l'air. Par l'air, voilà. Donc on va installer très vite des ventilateurs. Par contre, en 1820, c'est pas sûr qu'il y ait déjà des ventilateurs. Donc, on a eu l'idée de faire toujours deux puits de mine. Donc comme ça, la galerie qui est au milieu, elle a une aération naturelle. Mais le mieux, c'était avec les ventilateurs dès qu'ils sont arrivés. Niveau rendement, on pouvait descendre travailler beaucoup plus rapidement. La lampe Davy, elle est bien parce qu'il ne l'a pas brevetée. Donc, tout le monde pouvait la faire sans payer. Donc au moins, ça a permis de protéger énormément de mineurs. Puis il y a eu des améliorations. C'est ça. Après, il y a eu la lampe Marceau, donc qui ressemble vraiment à celle de l'image, qui a vraiment permis d'améliorer la sécurité des mineurs. Et après, il y a des verres de sécurité. C'est ça. Donc c'était beaucoup mieux pour eux. Et puis, c'est si pour jamais les lampes, ça vous intéresse à la maison du mineur, ils en ont pas mal d'exposés. Et pour le mineur, le mineur, il pourrait travailler dans un chantier. Il surveillait sa lampe, d'un coup d'œil, ça ne se refuse, il surveillait. Si sa lampe ne bougeait pas, il était tranquille. Il pouvait continuer, c'est ça. S'il voyait que la lampe, voilà. Hop, là, il y a la lampe, et quand dans les équipes, à l'avancement ou au travers banc, il y a toujours un... La lampe pendait là, vous voyez, comme c'est quand on regarde la lampe, et le grisou se tient à hauteur dans la lampe et il la mettait au plus haut possible. C'est ça. Ensuite, on a... Le canari. Ça, on l'a pas connu non plus. Non, donc les fameux canaris, mais c'était pas un canari. Après l'homme, on a sacrifié les oiseaux. C'était les petits oiseaux qu'ils attrapaient dehors. Hein. Donc l'oiseau, si jamais il meurt, comme le pénitent. Voilà. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Le mange. Voilà. Vite, on va remonter à la surface. On prend pas de risque, on voit l'oiseau tomber, hop. On remonte. Et après, c'est la même chose qu'avec le grisou, on va évacuer. On va mettre en route les ventilateurs pour pouvoir redescendre. Il n'y avait pas que les oiseaux qui sentaient le monoxyde de carbone, donc c'est très toxique pour nous. Il y avait aussi les rats. Oui. Et les rats, il y en avait dans les mines. Oui, mais là, les rats, on les faisait pas rentrer. Ils étaient rentrés tout seuls. Ah bah oui, c'est sûr. Les rats, ils rentraient le matériel. Ils pouvaient venir voler leur cabas. Le casse-croûte. Voilà. C'est pour ça qu'il fallait les peindre. J'en ai certains qui sont venus, qui m'ont raconté qu'ils s'étaient fait mordre aussi par les rats. Niveau maladie, c'était pas le mieux. Ils attaquaient les cabas même, les rats. Ils étaient un peu... À Carmont, même les boîtes, ils les avaient en fer.
Donc, dans certaines mines, on a fait venir des chats pour se débarrasser des rats, exprès. Donc, c'était quand même mieux parce que les chats, ils sentent aussi le monoxyde de carbone. Dans les mines, on avait encore un autre animal. Est-ce que vous savez lequel ? Cheval. Oui, le cheval, c'est ça. Donc, ils étaient dans les mines pour tirer les wagons. En Cévennes, on a gardé les chevaux à peu près jusqu'à dans les années 60, 1960. Oui, c'est donc, ça. C'est un peu partout les mêmes animaux. Voilà, c'est assez long. Donc, on va se décaler pour découvrir notre cheval. Et vous allez voir ses conditions. Parce que c'est quand même important dans les mines. On le sait. Oui, vous savez. Donc là, on va découvrir deux boisages différents. En premier, le boisage trapézoïdal. Donc, simplement une poutre horizontale et deux poutres verticales. L'inconvénient ici, c'est que si jamais ça s'affaisse, ça va s'effondrer. Donc, mais lentement. Oui, très lentement. Parce que le bois, il parle. C'est ça, on en parlera après. Ensuite, on a mis le boisage anglais. Anglais parce voilà. Que ça fait un angle qui va venir répartir la pression qu'on a sur la poutre de tous les côtés. Donc ça, c'est vraiment bien pour leur sécurité. Très costaud. C'est ça. Donc, à votre avis, c'était fait avec quel bois ? Je ne pose pas la question aux mineurs. Parce que je pense qu'ils sont au courant. Je ne sais pas, il y avait le sapin et le chêne. On les laisse réfléchir. Il y en a au-dessus. Ça peut vous aider ? Du pain ? Du pain, oui. Et il y avait aussi des châtaigniers qu'on utilisait. Mais ça, plus avant 1800. Le châtaignier, on l'utilisait plus pour faire des choses comme ça. C'est ça. Mais le châtaignier, vu qu'on consommait vraiment beaucoup de châtaigne en Cévennes, on l'a gardé pour nous. Et on a fait venir spécialement pour les mines le pain maritime en 1800. Il n'y en avait pas du tout avant en Cévennes. Donc ça a poussé après. Ah, c'est pour ça qu'il y en a. Voilà, il y en a partout aujourd'hui. Et après, la mine, les mines de la Mur, Grenoble. Il y en a aussi. Pour l'exploitation du bois, la mine, dans les Alpes-de-Haute province. D'accord. Après, quand la mine a fermé, ils ont... Maintenant, on a des pains partout. Ouais. Alors le pain, il a juste trois avantages. C'est qu'il pousse vite, il pousse droit. Et le dernier, c'est que les mineurs disaient que le pain... Il parle. Chantait, c'est ça. Oui, parce que vous le voyez, vous entendez... Crac, crac. C'est ça. Donc la poutre, avant de s'écrouler, elle allait craquer. Oula. Oui. Donc si jamais on entend craquer, on sait que vite, il faut sortir. Mais il faut faire attention. Oh, attendez, non, c'est pas ça. Ça craque, regarde. Non, regarde. Oui, on regarde. Bon, moi, je ne craquerai pas. Hein. On renforce le boisage. On peut renforcer avec le boisage. Des fois, ça craque. Mais bon, ça craque et puis ça tombe de la poussière, des petites pierres. Donc, et après, quand on est arrivé en 1900, on a commencé à avoir les premières machines, les marteaux perforateurs, les marteaux piqueurs. Donc, on n'allait plus entendre le bois craquer. C'est pour ça qu'on a opté ensuite pour le soutènement métallique. Il faut savoir juste une chose sur le soutènement métallique, c'est que c'était extrêmement cher. Et que par moment, on demandait aux mineurs, quand ils avaient fini de travailler dans une galerie, de les récupérer. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, si jamais ça s'était affaissé au-dessus et qu'il enlève, forcément, ça va s'écrouler. Donc, au niveau de la sécurité... Il fallait reculer tout. C'était très dangereux pour eux. On n'allait jamais devant où c'était plus... On démantelait toujours. C'était un démantèlement. Hein. Donc c'était quand même très dangereux. Et ce boisage-là ce qui était le plus dangereux, c'est le foudre royal, peut-être que vous allez en parler. Ah oui, c'est comme on le fait à la aveuse. Solide. Les étincelles et les castels. Et là, le foudre royal, il vous faut la pétasse et tout ça. Et puis alors là, vous entendez que... Ah oui. C'est des coups de toit qu'il y a. L'étalisson que vous avez, vous l'attachez à l'autre. Celui que vous avez déclenché, là, vous les récupérez. Il va tomber. Vous le récupérez. Et vous le mettez devant. Et vous avancez devant. Mais derrière, ça craque. Mais quand ça ne tombe pas derrière, à dépend de 20 mètres, c'est là où c'est le plus dangereux. Oui. Parce que d'un coup, il y a un coup de toit. Alors là, le mineur, il saute et fait plusieurs mètres en galopant. Hein. Même si après, il revient et qu'il y a un peu plus. Hein. Venez, on va s'avancer un peu, juste passer bien au milieu. Les deux des métiers qu'ils ont dû apprendre dans cette mine. Le roulage. Donc, on appelait ça aussi la descenderie, me semble. Le plan. Donc, l'accrocheur, avant de commencer, c'est lui qui va tourner le petit panneau et le mettre en service.
Ensuite, il va aller jusqu'en haut du plan. Des fois, ils étaient beaucoup plus longs que ça, les plans. Donc, ça leur faisait faire beaucoup d'allers-retours, donc c'était quand même assez fatigant pour eux. Donc, il va chercher le treuil, il redescend et il accroche au wagon. Ensuite, il faudrait qu'il remonte, dire au treuilliste de faire monter les wagons. Mais vu que c'est fatigant, ils ont inventé un système de cloche. Donc là, on a un code des signaux. Deux coups, ça veut dire qu'on peut faire monter les wagons. Un coup, c'est vraiment l'arrêt d'urgence, hein, le plus rapide. Pendant que ça monte, l'accrocheur, il doit encore travailler. Il va soulever la barre qui est juste ici. On appelait ça le pendu. Le pendu. Voilà. Donc normalement, ça va jusqu'en haut. Là, nous, c'est bloqué. Oui. Tirez plus parce que, vous voyez, vous ne pouvez pas tirer plus. L'accrocheur, il fallait qu'il reste accroché longtemps, d'où son nom, je pense. Parce qu'il fallait que, par exemple, entre 10 et 20 wagons passent. Donc, il restait accroché comme ça. Et c'est quand même assez lourd. Donc, je vais lâcher. Alors, c'est une mesure de sécurité, ça. C'est ça. Si jamais le treuil lâche en haut, les wagons vont redescendre. Voilà. Il y avait des flammes comme ça, quand même. Oui. Non, ça peut permettre de faire dérailler les wagons. Et si ça ne fonctionne pas, il y a une niche. Pendant la manœuvre, une fois qu'on a lâché le pendu, on se met dans la niche et on attend la fin. Voilà, et si jamais ça dévale, ça va aller s'écraser en bas, d'où l'utilité du petit panneau qu'on a mis en service. En haut, on va les accrocher juste ici, derrière ce que l'on appelle le locotracteur. Je ne sais pas si vous en avez connu certains. Donc les locotracteurs, on ne pouvait pas les descendre en entier dans la mine, dans certaines. On devait les démonter et les remonter ensuite au fond de la mine. Donc ça prenait. Oui. Alors là, il y a deux sortes de traction. La traction avec le moteur, les ailes. Oui, oui. Et traction électrique. Donc là, le locotracteur, il a un moteur diesel. Celui-là, oui. Oui, anti-déflagrant. Ça signifie que ça va retenir les gaz d'échappement. Et si jamais il y a une étincelle. Ça va l'étouffer. Tu vois, pour ton truc à la viande, tu vois. Ça c'est un peu. C'est une idée, ça. Alors, non, mais attendez. Alors, quand on nous parle des. Dans le dossier, il faut que tu l'ajoutes. Bon, les étincelles, c'est un moteur qui ne fait pas d'étincelles. Oui, mais c'est. Parce que c'est le diesel. C'était diesel. Au cas où, parce qu'il ne prenait pas de risque dans la mine. Mais après, il y a les échappements. C'est ça. Normalement, il y a un. Ça les retenait. Il y a un bac qui doit filtrer, etc. C'est ça. Mais je peux vous garantir, moi, et puis les mineurs, là. Il y en avait quand même. Mais quand vous étiez à la cime de la taille, à 300 mètres, il était à la trémie en train de tirer les wagons. On sentait à 300 mètres ou 500 mètres. Peut-être que ce n'était pas les mêmes moteurs. Non, non, non. On nous disait que ce n'est pas dangereux. Oui. L'abrir, le service des mines, nous disait que ce n'est pas dangereux. Si, on respirait quand même. Ouais, alors aujourd'hui, on nous dit qu'en pleine nature, c'est. Alors parlons de la mine. C'est sûr. Ouais. Donc, il a un moteur diesel de la marque Dutz. C'est deux ingénieurs. Oui, c'est ça. Deux Allemands qui l'ont créé. Il y en a un qui s'est séparé, qui a fondé sa propre marque. C'est Mercedes-Benz aujourd'hui. Donc, c'était des moteurs vraiment très puissants. Parce que quand on a le locotracteur, ça signifie qu'on a une haveuse, par exemple. Donc, le rendement. Est à son maximum parce que là ça va tirer des tonnes et des tonnes de charbon. Merci. Là, si vous regardez, ça passe pas. C'est juste, hein. En Cévennes, voilà, on n'avait pas vraiment la place de mettre des locotracteurs. Il faut le lever à part dans certaines pluies, bien sûr. Ah, mais il y en avait dans tous les puits, hein, maintenant. Ah oui, après par la suite. Festival électrique. Festival locotracteur électrique. Dans les autres puits, les puits, il n'y en avait pas. À Récard, il n'y avait pas de locotracteur. Il n'y avait pas encore. Oui. C'était tout détruit. Mais au puits des Zoules, c'était locotracteur. Hein? Au puits de Laval, c'était le Dutch aussi. Il y en avait quand même, malgré que ça prenne de la place. Ah, mais oui, non, mais attendez, les galeries, attendez. Ça, c'est des petites galeries. C'est pareil, on parle pas de l'image. Il y avait deux voies, trois voies, et ils se croisaient même le tracteur.